Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve sur le circuit de Croix-en-Ternois. J'arrive à rejoindre les amis, là on est samedi. Donc on va voir comment ça se passe sur le circuit. Ça fait un an que je suis pas revenu ici. L'année dernière j'étais revenu invité par Jérôme Bastia parce qu'avec la malchance d'avoir perdu la violette, il m'avait soutenu dans le délire de me dire même si t'as perdu ta voiture, viens et profite quand même de ce week-end. Donc ça a donné une belle image et ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça et de rencontrer plein de personnes l'an passé. Donc cette année, j'espère que ça va être la même chose. Là, je suis sur le parking des spectateurs et je peux vous dire qu'il y a vraiment des caisses de malades. Donc voilà, je vous retrouve sur le circuit. J'espère que notre région du Nord vous fera plaisir les gars, parce que tous ceux qui sont ici, ça fait plaisir de vous savoir dans la région. La région du Nord, tout le monde qui dit qu'il fait mauvais, regardez le soleil derrière, ça fait super plaisir. C'est un truc de ouf. Avec la team du PSR, bang bang. Et franchement, il y a des projets de ouf qui passent. Je viens juste d'arriver, je suis déjà perdu avec les érupteurs et tout. C'est un bordel. 6h du matin, t'avais personne. Tout le monde dormait, même les. Une fois semaine. Ah ouais, d'accord. Salut, ça va bien. Elle a trouvé. James Dean les gars, c'est un truc de ouf. Oh my godness. Je suis à côté de lui là. C'est un truc de ouf. Ça fait plaisir ça. Portugue. L'escasse blanche, ça me fait grave plaisir. Ça fait longtemps. Regardez le vélo. Ah ouais, il respecte pas grand chose. Hein. Il respecte pas grand chose. Je vais les mettre.
Oh, les bouts de pneus, frère, tu chopes ici, c'est un truc. Les... Sûrement, hier, pas hier mais la semaine passée je crois, en plus c'est canon. C'est vraiment la légende de la légende. Tout qui tient à la tout qui s'est bouclé là. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit hier. Comment c'est léger. C'est énorme. James Dean, Are you C'est vraiment, vraiment quelque chose, les gars, là, je suis sans mots. Voir la caisse de James Dean de ses pieds, c'est vraiment un truc de malade. Ça fait pas semblant. C'est énorme. Explique-nous, Sally. Bah là, ici, c'est le marchand avant de James Dean. Donc, on pourrait dire qu'on l'a touché, c'est quelque chose. Tout ce qui est en cuivre là, c'est quelque chose de malade. Regarde un peu les détails en carbone sur le marchand. Oh, yeah, ouais.
C'est vraiment quelque chose de malade. Parler avec sa team, déjà, ça fait plaisir. J'ai pas encore eu la chance de le voir en, de proche. Mais c'est vraiment quelque chose. Mais c'est quand même, ça passe un peu. Ouais, mais je pense pas. J'ai pas le temps. En fait, tout est moulé, en fait. Leur système d'attache rapide pour les pare-chocs sont vraiment intelligents, regarde. T'as juste à tirer. Et en fait, ça va se clipser sur les bitonios ici. Tu vois. Tu pousses, ça passe en dessous derrière. Tu soulèves et tu recules. C'est vraiment intelligent, rapide et efficace, quoi. Puis en plus, ça a l'air de bien maintenir vu que c'est vissé dessus. Franchement, sa voiture, c'est une bête de technologie, en fait. C'est un truc de malade. J'espère vraiment le voir. Elle est où la porte? Les jantes, mec. Oh là là. J'avais même pas réalisé. C'est assez élevé pour un niveau comme ça. Mais moi je suis méchant. Allez, la porte. Tu prends la porte et tu t'en vas maintenant. Ah, c'est énorme. Le rang fond, c'est un truc de fou. C'est vraiment un travail qui est propre de chez propre. C'est vraiment un beau travail. Hein. Very nice. Cette E36 là, les gars, elle est ultime. Vraiment, c'est The E36. Quoi. Celle-là, elle fait vraiment très mal, le Kenkes. Qu'est-ce que vous en pensez, Emily? Ce véhicule. On ne peut avoir qu'un plat délicieux à la fin. Aïe, aïe, aïe. Ouais, elle est pas plus belle que la tienne quand même. Non, ça fait plaisir. Oui, oui, c'est généreux. En tout cas, c'est bien collé derrière par Sébastien Pavos qui a en manché pas. Il se manquait juste tout très rapide. Le V6, c'est un V6 turbo de 350Z. Pour réussir à bien savoir où est ce mystique, il faudrait bien pouvoir. Je pense que vous arrivez à voir à travers le VVTi 3 litres. Mais si je vous montre ça, vous comprendrez peut-être encore plus. C'est notre écran. C'est notre écran. Oh, yes. If you can, yes. Thank you, man. Bonne retour. Cette voiture. She's very beautiful. Derrière, Sébastien Farmer. And she look very, very awesome. Wow. It's from Supra. Wow. Et vert pour les deux pilotes. How much horsepower? Farbos leader, 800. Farbos donne un déclenchement avec un appel un tout petit peu moins généreux que Kevin Juzou. Par contre, Kevin Juzou, lui, est généreux dans sa proximité parce qu'il est pas trop loin. Il est piloté par un Sébastien Farbos. La distance est relativement la même. Ça dégueule. Il n'y a pas les finitions, Emily, mais. Voilà. Ah, j'aurais kiffé avoir ce genre d'hélice. Hein. Putain. Ah ouais, c'est quelque chose. Ouais. Petit détail qui tue, ouais. La bande au scotch. Papin. Ah ouais. C'est... Non, tu ne peux pas. Plus cher un peu la poupée. Ah, la poupée, elle a volé. Celle-là, je la verrais bien au Japon, tu vois. Hauteur de M346, je pense. Si je dis pas de bêtises. Ah, le montage, t'as vu la boîte à air comme elle est? Enfin, l'admission, c'est un truc de malade. Allez, on a lu. Enfin, les collecteurs faits sur mesure. Quelque chose. Hein. Monobras essuie-glace. Oh. Oh. Je t'avais dit qu'il était là, hein? Tu
nous expliques c'est qui? C'est James Dean, The Pilot of the World. Et c'était comme une piste. On est tous les deux dans la même scène. C'est lui ce matin. Filme bien le capot. Le beau sorciel. Filme bien le capot. Ouais. Bon, vas-y, allez, Lolo. Arrêtez, on va se faire remarquer. Il y a honte de sa vie. Anthony! Anthony! Le mec, il est comme ça et tout. Tu regardes là-bas. Pas compris d'où. Allez Marseille. C'est un plaisir. Il a osé. Mouli, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'on est content. On est content. Bon, fin de première journée avec les enfants de la team de la carrosserie des petits carreaux. Donc là, comme ça. On a le soleil en plein front, frère, on voit rien du tout, ça fait plaisir.
Donc là, soleil, aujourd'hui, victoire au CFD de Lolo Cousin. Anthony Pereira. Ça fait grave plaisir. Il a roulé encore comme un ouf. Et il nous reste la journée de demain. Mais ça, c'est pas sûr, j'ai pas roulé. Demain, c'est pour le DMGP. Donc, devoir maison de Grand Prix. Je rigole, Drift Master. Donc, ça va être quelque chose. J'ai hâte de vous montrer ça, les gars. Là, nous, on va au château de cartes. Château de cartes. On va dormir tous ensemble, ça va être quelque chose. On va faire, c'est ma première fois avec. Ouais. Il y a les pluies et tout, t'inquiète, tu vas dire. Est-ce qu'on va dormir déjà? On va te découvrir les Volvo abandonnés. Sachant que moi, ça fait longtemps que j'ai pas dormi, ça me ferait vraiment plaisir. Mais à mon avis, j'en doute. Mais bon. T'inquiète, allez. On va te montrer les Volvo abandonnés et la caravane. Ouais, cette nuit, il y a deux Volvo. Vas-y. Avec les deux, on en fait une pour le DMGP demain. T'es chaud ou pas? On va voir ce qu'il dit. Hein. Bon, on arrive. On arrive dans notre humble demeure. Messi, ouvrez le portail. Oh là là. Il y a une serre ou quoi? C'est quoi là-bas? Une quoi? C'est une serre. Eh putain, on dirait vraiment un château hanté. Mais nous, on dort à gauche. Oh my goodness. Il est dans sa polo, du coup. Mais c'est qui la meuf là-bas en fait? Je sais pas c'est qui. C'est une chinoise. Ce serait pas le fantôme de Batman? Je suis pas sûr que ça soit une vraie personne. Il me pète un câble, ça y est. J'espère que j'ai pas lui rentrer dedans. Putain, tout juste. Parce qu'il y a une boule d'attelage, sinon je l'aurais poussé parce qu'il va gêner. Bah oui. Tu me dis dès que je suis dans l'attelage? Non, non, j'ai rien. Bienvenue dans la humble demeure. Franchement, prendre l'élan, ça me ferait plaisir. Ça marche. Je mange pas d'élan d'habitude, mais je veux bien prendre un pour toi. C'est bon, je pense qu'on peut couper. T'es sûr? Ouais, je pense. T'es sûr, hein? Je suis compris dans le service qu'il y a le ménage et il n'y a pas le ménage. Non, mais c'est quoi ça? On est accueillis dans une. C'est quoi ce délire là? C'est quoi chez les gens chez toi? C'est quoi là, les gens chez vous là? Ils font pas le ménage ici. Hein. Bon, bienvenue dans notre demeure du humble week-end. Humble demeure. Voilà. Construite à main nue par notre carrossier peintre et menuisier. On a monté chaque pierre une par une. Oh my god. Donc voici le salon et la cuisine. Pierre, présent. Ah, franchement, c'est. Non, 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 c'est pour moi. D'accord. T'inquiète pas, je peux faire des coupages. Bonjour, mon fils. Bonjour, mère. Je vais te montrer ton lit. Tu vas me montrer mon lit, allez. Allons visiter. Putain, j'ai plus de mollets, Samir. Il y a Annabelle là-bas. Ah, t'as pas de mollets, t'inquiète pas, il y a des escaliers. Allez, putain, je me disais, il y a un truc qui me colle. Il y a un truc qui me colle. Il y a Annabelle là. Ah, c'est grand en fait, hein. On dirait que c'est super grand. Alors, on fait encore pire que Milly. Putain, console et tout. Oui. Il y a marché à mon. Deuxième chambre là. Moi je dors là, reviens dans la chambre. Moi aussi je dors là. Ah, moi je dors là, c'est sûr et certain. Le lit est trop grand. Tu vois ça? Non, c'est qui là? C'est Fanny ça, et. Ça, soit Annabelle du. Oh, ma première chambre, ouais. C'est Fanny. Ton lit il est là-dedans. Bah, moi je dors dans l'armoire. Les gars. Moi je dors là. C'est qui est Annabelle un peu. Oh putain, il joue avec son nom. Ça fait vraiment peur. Ton lit il est au fond à droite là-bas. Ah, du coup, je dors. Ouh! Ah ouais! Ah merde! Bon, passez une bonne nuit, hein! Qui c'est qui dort ici? Moi? Je sais pas. Ah bah, il y a une baignoire. Non, il y a encore des baignoires. Allez, visitons. Visitons. Bonjour! T'as vu Annabelle ou pas? Ouais, elle fait flipper déjà, elle est impolie, elle m'a pas dit bonjour. La hijo de la Jules. Heureusement que je sais pas parler espagnol. Tu sais, mais t'as pas été à part à gauche encore? Putain, t'as vu, ouais, il y a un escalier qui mène vers un autre pays encore. Un autre pays. Un autre pays. Eh, c'est grand, hein! Oh, tu dors là toi? Ouais. Ah, ça fait plaisir qu'on dorme à deux. Non, je dors avec lui. Et en fait, il y a combien de lits dans le truc? Il y a même un baby foot, genre. Attends, on va s'éclater. Il y a un puits, ma couille. Il y a une balle? Ah ouais. Sors la canne à pêche. Vas-y, quelqu'un qui met une lumière pour voir un peu s'il y a vraiment quelque chose dedans. Il y a une tête. Imagine-toi une grosse tête d'un coup. Bah putain! J'ai eu peur. T'es sérieux, il y a un nageur dedans? Il y a un nageur. C'est genre. Tu vois, tu vois un gars passer, genre. T'as vrai que c'est loin, une cheminée éteinte. Ça fait grave plaisir. Bon, baby foot, après, je vais vous mettre la misère. Ça, c'est le bordel. Waouh. Bon, bah, vous aurez vu ma polo devant un château. Comme ça, au moins, elle aura enfin le luxe qu'elle mérite. Oh, allez.
J'allais dire, c'est qui lui? Ah, c'est Salim, bonjour. Chantier, ah, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment avec ça part? Comment ça part? Ça part, ça part. Bien ou ça part pas bien? Comment ça va-t-il? On a même trouvé un bang. Oh sa mère! Eh, vraiment, ça va vite! Elle a des petites voitures! Oh putain! Ah, non, 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 non. Elle est où la Il a percé le carter d'huile! Mais non! Mais merde! Oh, Molly assis! Oh. Tu veux un petit bang, Salim? Elle m'a mordu! Elle m'a mordu! Donne la pâte! Merci, donne la spaghetti, maman! Je sais pas. Bébé, elle est où la vraie chienne? En tout cas, elle est où la vraie chienne? Time! One more time! One more time! Allez, allez! Allez, allez! Allez, allez! Oh putain! Bijou, faut la tenir là! Bah, faut dire à ma putain, le troisième! Allez! Vous avez pas gagné, il y a un one more time là-bas! Non mais, je suis troisième avec une cheville foulée! Ça se voit, il est fort! Merci, merci la boîte séquentielle! Allez, one more time! On voit Toto! One more time! One more time, les gars! Il y a un one more time! Tu pars devant! Boum boum! Allez, 1, 2, 3, 4! Ouais, ouais, ouais. C'était chaud! Putain, on a même cassé le circuit! Oh merde! Bon, bah, on a gagné la compète, il n'y a plus de circuit! Ouais, c'est la voiture! Ah, c'est la voiture! Avec lui, faut pas dormir! C'est tout pour ce soir! Aujourd'hui, on attaque la deuxième journée avec le squad. On passe au drift master aujourd'hui.